Bonjour, bienvenue. Je vous propose une autre séance de reprise puisque nous sommes en vacances. C'est le bon moment de faire une révision et de se tenir. Souligne les noms au pluriel. Souligne les noms au pluriel. Relie le verbe conjugué à son infinitif. Relie le verbe conjugué ici à son infinitif. Entoure les mots dans lesquels la lettre I transcrit le son I. Entoure les mots dans lesquels la lettre I transcrit le son I. Approfondissement. Première activité, complète les phrases avec les noms suivants. Voilà, musicien, musicien, musique, musique, violon et violon avec S. Dans les phrases suivantes, soulignez les verbes conjugués en rouge et les verbes à l'infinitif en bleu. Et choisis la graphique qui convient pour compléter ces mots. On a I, wa, e et un. Alors, toujours avec la partie de soutien, reprise, d'après votre cahier d'activité. L'arbre aux mots, quelle série de mots contient uniquement des noms? Quelle série de mots contient uniquement des noms? Est-ce que c'est A, B ou C? Quelle série de mots contient un nom propre? Quelle série de mots contient un nom propre? Est-ce que c'est A, B ou C? Barre l'intrus dans chaque liste. Il y a la liste des déterminants, il y a aussi la liste des pronoms personnels. Par l'intrus dans chaque liste. La liste des déterminants, la liste des pronoms personnels. 4. Entoure les lettres qui transcrivent le son on dans les mots ci-dessous. Entoure les lettres qui transcrivent le son on dans les mots ci-dessous. Approfondissement. Deuxième fois. Après soutien, il y a approfondissement. Souligne les noms et entoure les déterminants qui les accompagnent. Souligne les noms et entoure les déterminants qui les accompagnent. Il faut d'abord lire les phrases. Dans le texte suivant, barre les pronoms personnels de conjugaison qui ne conviennent pas. Vous avez ici donc deux choix. Dans le texte suivant, il faut barrer les pronoms personnels de conjugaison qui ne conviennent pas. D'accord? Et à la fin, complète les mots de chaque colonne par l'une des graphies proposées. Soit un, on, soit un, on, et c'est ça, ou les autres. D'accord? Et voilà. Attendez sur la correction dans la vidéo prochaine. Merci, à très bientôt.